Pokéball Soup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokéball Soup. Au menu du jour, nous partons au Japon pour parler de Minamata, un film dans lequel il est question de photographie. Il est sorti en 2020, a été réalisé par Andrew Levitas et est porté entre autres par Johnny Depp, Minami et un casting dont on discutera un peu plus tard. Allez, Soledé wa Hajime Masho. Minamata est un film inspiré de faits réels dans lequel nous suivons le photojournaliste William Eugene Smith alors qu'il se rend au Japon, à Minamata, pour y photographier au début des années 70 les répercussions de ce qui reste aujourd'hui encore une des plus effroyables catastrophes écologiques de cet archipel. Une catastrophe dont on va maintenant parler. Minamata est une ville portuaire située dans la préfecture de Kumamoto sur la côte ouest de l'île de Kyushu. C'est une localité qui abrite historiquement de nombreuses familles qui vivent et se nourrissent de la pêche. Durant l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 1970, de nombreux habitants de Minamata ont été employés par l'usine de l'entreprise Shiso Corporation, une usine de production d'engrais et d'autres produits chimiques. À partir de 1932, Shiso rejette des eaux usées, non traitées et hautement contaminées au mercure de son usine. Des eaux qui vont lentement, mais sûrement, conduire à la pollution de l'écosystème de la baie de Minamata.2月7日午後7時20分頃、私が一切8ヶ月の時、私の祖父、緒方福松が突然原因不明の病気を発症し、日に日に病状が悪化し、痙攣や、よだれの垂れ流し、歩行困難、言語障害、そういった症状が繰り返されて、2ヶ月過ぎた、当時の水俣市立病院の隔離病棟、伝染病棟にて、狂って、世へ旅立ったというふうに聞かされています。そして私が選んだ道、娘のためにも、自分のためにも、世の中のためにも、人類が初めて体験したとされる水俣病の被害者であることを明かさなければならない。 La maladie de Minamata est donc causée par un empoisonnement au mercure. On se rappelle que la commune est située en bord de mer et qu'une partie de sa population vit de la pêche. C'est en consommant le poisson et les crustacés de la baie de Minamata que les chats et les habitants de la ville ont développé cette maladie. La maladie de Minamata touche souvent le système nerveux et peut avoir de graves conséquences pour ses victimes. Perte de la motricité, paralysie, troubles de la parole et j'en passe. Certaines femmes victimes de la pollution au mercure font donner naissance à des enfants atteints de malformations et de lourds handicaps. L'entreprise Shiso va de son côté mener des expériences sur des centaines de chats. Ces expériences vont clairement établir sa responsabilité dans l'empoisonnement au mercure dont des milliers de personnes vont être victimes, et malgré cela, l'entreprise décida de cacher ses expériences et leurs résultats. Il aura fallu attendre la fin des années 60, près de 15 ans après la découverte des symptômes, pour que l'entreprise arrête de déverser ses déchets toxiques dans l'écosystème de la baie de Minamata. C'est en 1971, quelques années après ces événements, que le film Minamata s'ouvre et nous propose de suivre le photoreportage réalisé par William Eugene Smith et Aline Miyoko Smith. William Eugene Smith est un photojournaliste américain qui est notamment connu pour avoir documenté la Seconde Guerre mondiale pour le compte de plusieurs revues, dont le magazine Life. En avril 1945, alors qu'il couvre des combats à Okinawa, il est blessé par un fragment d'obus qui lui déchire la joue et la bouche. Durant sa carrière prolifique mais jalonnée de haut et de bas, W. Eugene Smith a documenté une variété de sujets. En 1948, il passe 23 jours à suivre le quotidien d'un médecin de campagne dans sa série Country Doctor, une série publiée la même année dans les pages du magazine Life. En 1951, toujours dans Life, sa série Nurse Midwife, infirmière sage-femme, documente le travail de Maud Carlin en Caroline du Sud. Enfin, et avant de vous parler de son essai photo sur Minamata, on pourra citer The Jazz Loft Project, un projet tenu de 1957 à 1965, une période pendant laquelle Smith photographie et enregistre les artistes d'une scène jazz new-yorkaise bouillonnante.
Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à regarder les vidéos The Genius of W. Eugene Smith de Tatiana Hopper, ainsi que The World of W. Eugene Smith de Ted Forbes de la chaîne The Art of Photography. Vous trouverez les liens en description. Et si vous ne l'avez pas encore vu, j'en profite pour faire un peu d'autopromotion. Je vous invite à regarder ma vidéo consacrée au film Life et au photographe Denis Stock. En arrivant au Japon en 1971, Eugene et Eileen Smith pensaient ne rester que quelques mois. Mais ils vont finalement y séjourner 3 ans. Ce laps de temps leur a permis de s'intégrer aux habitants, de nouer des liens avec eux pour mieux les photographier et documenter leur quotidien sur la durée. Lors de son passage à Minamata, le couple a été immortalisé à plusieurs reprises par Takeshi Ishikawa, un photographe japonais. Il a en quelque sorte réalisé un documentaire photo du documentaire photo. La tragédie qui frappe la ville de Minamata, ses habitants et son écosystème avaient déjà été documentés avant qu'Eugene et Eileen Smith n'arrivent. Dès 1960, le photojournaliste japonais Shisei Kuwabara photographie des victimes de la maladie de Minamata et il continua à documenter l'impact de la pollution sur la ville pendant près de 40 ans. Mais c'est la notoriété de William Eugene Smith et sa relation au magazine Life qui vont exposer cette pollution industrielle aux yeux du grand public hors du Japon. En juin 1972, Life Magazine publie un article intitulé « Death Flow from a Pipe », composé de textes et de photos du couple. En 1974, Eugene et Eileen achèvent une partie de leur travail et il faudra attendre 1975 pour le voir compilé dans un livre de 192 pages intitulé « Minamata, A Warning to the World », un ouvrage dont l'impact résonne encore de nos jours et qui a conduit au film dont je vais maintenant vous parler. Minamata est un de mes coups de cœur cinématographiques de l'année 2022, mais les chances que vous l'ayez vu sont plutôt minces car la sortie du film a été un peu mouvementée. Le film a été présenté en avant-première à la Berlinale 2020, le 21 février 2020, et on se rappelle tous de ce qu'il s'est passé en février et mars 2020. À partir de juillet 2020, la bataille judiciaire pour violence conjugale entre Johnny Depp et Amber Heard s'étale dans les médias, et ce sera le cas jusqu'en 2022. Le film est sorti brièvement dans quelques pays en mars 2020, avant que les confinements ne tombent. Les droits d'exploitation du film ont dû changer de main pour qu'il commence à être distribué à l'international entre février 2021 et octobre 2022, certains pays n'ayant eu droit qu'à une sortie en DVD, en Blu-ray ou en streaming. En France, le film a été diffusé par Canal+, et il est désormais disponible en VOD via Orange. Bref, pour voir Minamata, il fallait le savoir, le vouloir ou avoir un peu de chance, ce qui est dommage car c'est un film plein de qualité. À mes yeux, sa qualité première est de parler de la pollution industrielle qui a frappé Minamata, mais aussi de nous faire comprendre le quotidien de nombreuses familles qui en ont été victimes. J'ajoute à cela le fait que le film m'a permis de découvrir W. Eugene Smith, un photographe dont j'avais entendu parler sans jamais m'y intéresser. Donc, depuis que je l'ai vu, j'ai fait mes devoirs. Minamata est un film fait par des artistes passionnés, conscients de la responsabilité qu'ils ont de raconter cette histoire de manière juste, en respectant les habitants de Minamata et le projet de W. Eugene Smith et d'Eileen Smith, qui resta son épouse jusqu'à ce qu'il ne décède en 1978. Eileen Miyoko Smith a d'ailleurs été consultée et impliquée dans la production de ce film. Elle a longuement discuté avec Andrew Levitas, le réalisateur du film, pour qu'il s'approche au plus près de sa vérité et de la façon dont elle a vécu les événements de l'époque. Elle a donné son accord pour que des photographies de la série Minamata soient utilisées durant la production du film et elle a également participé à sa promotion au Japon et à la conférence de presse qui eut lieu lors de l'avant-première à la Berlinale. Le réalisateur du film, Andrew Levitas, est aussi photographe et passionné par le travail que W. Eugene Smith a accompli durant sa carrière. Pour l'image de Minamata, il s'est entouré d'un directeur de la photographie et d'un photographe de plateau de talent, tous deux animés par un regard profondément artistique. Le directeur de la photographie de Minamata s'appelle Benoît Delhomme. Il a officié en tant que directeur de photographie sur des films tels que Podium de Yann Moix, Un homme très recherché d'Anton Corbijn, At Eternity's Gate de Julian Schnabel, et sera à la réalisation de Mother's Instinct,
un film devant sortir en 2024 avec Anne Hathaway et Jessica Chastain. Pour Minamata, Benoît Delhomme a voulu se rapprocher du style de W. Eugene Smith dans sa façon de cadrer. Pour le faire, il a choisi une caméra dont la taille correspond à peu de choses près à un réflexe, un setup minimaliste qu'il avait déjà expérimenté en filmant At Eternity's Gate. La compacité du matériel lui a notamment permis de faire, quand il le souhaitait, des plans serrés en étant très proche des acteurs, un peu comme Eugene Smith aurait pu le faire. Enfin, Benoît Delhomme est également peintre. C'est une des raisons pour lesquelles Julian Schnabel, peintre et réalisateur de At Eternity's Gate, film sur Vincent Van Gogh, que je vous recommande au passage, a fait appel à lui. On retrouve la patte qu'il a utilisée dans ce dernier film sur Minamata, notamment quant à la saturation de certaines couleurs. À mes yeux, Minamata est un régal visuel. Sa cinématographie est poétique et gorgée d'émotions. La photographie de plateau a quant à elle été confiée à Larry D. Horix, un artiste qui a notamment travaillé sur Casino Royale, Hellboy, et plus récemment, The Dig et Chevalier. S'intéressant à un homme considéré comme un des maîtres du photojournalisme, Minamata se devait d'avoir des photographies promotionnelles à la hauteur, et le photographe de plateau Larry D. Horix, ainsi que toute l'équipe du film, ont effectué un travail aux petits oignons. La preuve, en images. Tout comme Benoît Delhomme, avec qui il a véritablement travaillé en synergie, M. Horix a souhaité shooter à la manière d'un photojournaliste et il a également opté pour un matériel compact en plaçant des focales fixes sur plusieurs Fuji X-T3 pour la majorité du film. En regardant ces photos, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec le photographe Takeshi Ishikawa qui documentait Minamata et le reportage photo du couple Smith. À part quelques prises de vue, la majorité du film a été tourné en Serbie et au Monténégro, mais Andrew Levitas et son équipe se sont documentés pour créer des décors et costumes d'époque. Le casting du film est principalement japonais, car la plupart des rôles secondaires et des extras qui ont joué le rôle des habitants de Minamata sont d'origine japonaise. Mais ne vous y trompez pas, si Minamata est porté par Johnny Depp et Minami, que je trouve tous deux très convaincants dans les rôles de William Eugene Smith et d'Aileen Smith, par Hiroyuki Sanada dans la peau d'un activiste ou encore de Jun Kunimura dans celui du président de la Shiso, l'attention du film se porte bel et bien sur les seconds rôles car c'est à travers eux que l'histoire de la tragédie de Minamata est dépeinte. Andrew Levitas et son équipe se sont rendus au Japon pour discuter et recueillir des témoignages de familles de victimes de la maladie de Minamata. Lors du tournage, les acteurs ont été entourés de spécialistes pour représenter au mieux et avec respect la maladie et ses symptômes à l'écran. Cette quête d'authenticité s'est ensuite portée sur l'ambiance sonore du film puisque des bruits et sons typiquement japonais ont été enregistrés pour parfaire l'habillage sonore de son long métrage. La bande originale a été confiée à Ryuichi Sakamoto, un compositeur, musicien, producteur et acteur japonais que j'affectionne. Monsieur Sakamoto s'est d'abord fait connaître dans le milieu de la musique électronique vers la fin des années 70 avec son groupe Yellow Magic Orchestra, avant de se diriger vers une carrière solo où il oscilla entre la musique électronique, expérimentale, pop ou classique à partir des années 1980. Il a créé de nombreuses musiques de films et si vous avez déjà vu Babel ou The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, Talon Aiguille de Pedro Almodovar, Snake Eyes de Brian De Palma, Little Buddha ou Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci pour lequel il a gagné un Oscar, ou encore Furio dans lequel il était également acteur aux côtés de David Bowie, vous avez déjà dû entendre quelques-unes de ses œuvres. Dans le booklet de la bande originale du film, Andrew Levitas a écrit à son sujet « Ryuichi était le collaborateur de mes rêves. Il le serait sur n'importe quel film. » Mais sur cette mission en particulier, il ne pouvait y avoir personne d'autre. La musique devait littéralement représenter à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. À mon avis, Ryuichi a été capable de matérialiser entièrement ce concept en surfant avec élégance sur le fil du rasoir. Et c'est vraiment ce que je ressens en écoutant cette bande-son, et on l'entend sur des morceaux comme Commitment, Shiso Gate, Hidden Data ou Coda,
sur lesquels Sakamoto est vraiment allé puiser dans sa palette de compositeurs, de la musique expérimentale à la musique classique, pour venir nourrir ce film et lui apporter différentes teintes émotionnelles. Composer la musique de ce film était important à ses yeux car il s'intéressait de près aux causes environnementales. Dans la presse, il a notamment pris des positions anti-nucléaires contre certains projets dans son pays. Au sujet du film, il aurait déclaré « Il y a des choses que vous faites dans la vie dont vous sentez que votre travail devait vous mener à elles. Ce film en fait partie. » Malheureusement, Minamata constitue une des dernières bandes originales de films sur lesquelles Ryuichi Sakamoto a travaillé avant d'être emporté par un cancer en début d'année, en mars 2023, à l'âge de 71 ans. En 2013, près de 60 ans après que les premiers symptômes de la maladie de Minamata aient été observés, la Convention de Minamata, un texte international visant à lutter contre la pollution au mercure, a été adopté au Japon. Malheureusement, de nombreux pays n'ont toujours pas ratifié cette convention, et même lorsque c'est le cas, la pollution au mercure perdure dans certaines régions, comme c'est le cas en Amazonie, à cause de l'orpaillage sauvage et illégal qui y est pratiqué. Yoichi Tani, le porte-parole de l'association d'entraide des victimes de la maladie de Minamata, a récemment déclaré que 70 000 victimes ont été confirmées dans la région de Minamata, mais qu'il était clair que ce nombre était plus élevé. À la sortie du film au Japon, certains peinaient encore à être reconnus comme malades par le gouvernement japonais. Minamata est un film que je vous recommande, car il est porteur de messages. Il rend hommage aux victimes de cette tragédie et nous invite à user de notre voix aussi bien individuellement que collectivement, pour que l'on se dresse contre ces catastrophes et les injustices qu'elles causent en revendiquant notre droit à vivre dans un monde sain. C'est un film qui m'a touché et en tant que photographe, c'est un film qui m'inspire et me donne envie d'utiliser la photographie pour documenter la vie et raconter des histoires. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de voir ce film ou vous aura permis d'en savoir plus sur la tragédie de Minamata et les différents photographes qui ont pu couvrir ses répercussions, dont W. Eugene Smith. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou à me laisser un petit pouce. En description, je vous laisse des liens vers des vidéos qui vous permettront d'explorer un peu plus les coulisses du film et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao !